Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tour de magie avec des pièces. Avec seulement 3 pièces. Une pièce chinoise, une pièce de bronze et enfin une pièce d'argent. Nous allons commencer par un petit test. Je vais prendre une pièce d'argent que je vais placer dans ma poche droite. Que me reste-t-il en main gauche? Mais ça vous l'avez deviné instantanément. Il me reste la pièce de bronze et la pièce chinoise. C'était facile. C'était simplement pour faire un petit test. Maintenant, nous allons commencer vraiment la magie et je vais vous demander d'agrandir votre écran si vous êtes sur un ordinateur, de rester bien fixe, de bien regarder parce que ce que vous allez voir va vous étonner, j'en suis sûr. Je vais compliquer un peu plus les choses, je vais cette fois-ci prendre 2 pièces, la pièce chinoise et pièce de bronze. Je vous pose simplement une question, que préférez-vous, la pièce chinoise ou de bronze ? La pièce chinoise, très bien. Vous savez qu'en magie, il existe une substance, la poussière magique, simplement en soufflant sur les pièces. La pièce chinoise vient de disparaître pour se retrouver instantanément en main gauche. On va plus loin ? Regardez, je recommence l'opération. Je vais reprendre, cette fois-ci, je vais reprendre 2 pièces, la pièce chinoise et la pièce de bronze. En main gauche, la pièce d'argent. Simplement en faisant un petit mouvement magique, instantanément la pièce d'argent vient d'apparaître cette fois-ci en main droite et en main gauche les 2 pièces, la pièce de bronze et chinoise. Incroyable, vous trouvez pas? J'adore ce petit mouvement. Allez, je reprends cette fois-ci 2 pièces, la pièce chinoise et la pièce de bronze, que je mets cette fois-ci en poche droite. Que me reste-t-il en main gauche? La question? Oui, la pièce d'argent. Mais simplement, comme je vous ai dit, avec de la poussière ou du souffle magique. Mais cette fois-ci, un peu de poussière. Instantanément, la pièce de bronze et chinoise viennent d'apparaître. Eh bien, vous l'avez compris, en poche droite, la pièce d'argent. Alors, vous voulez peut-être que j'aille encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. On pourrait. Alors, je vais essayer. Je vais faire cet effet d'une manière un peu plus aérienne. Je vais prendre la pièce d'argent, je vais simplement la garder en main droite. Main gauche, pièce chinoise et de bronze. Ne clignez pas les yeux, simplement en passant sur le tapis. La pièce de bronze et chinoise vient d'apparaître. Et vous l'avez compris, en main gauche, cette fois-ci, la pièce d'argent. Vous en voulez encore, je vois. Eh bien, regardez, pièce d'argent, pièce de bronze et pièce chinoise. Je prends cette fois-ci la pièce d'argent. Pièce de bronze et chinoise en main gauche. Simplement en glissant sur le tapis. La pièce d'argent vient de disparaître, laissant place à la pièce chinoise et le bronze. Quant en main gauche, la pièce d'argent vient d'apparaître. Je sais que vous adorez cette passe. Alors, je vais aller encore un peu plus loin. Je vais prendre cette fois-ci je vais prendre la pièce d'argent que je vais glisser dans ma poche droite. Que me reste-t-il en main gauche? La pièce chinoise et le bronze. Mais regardez, un peu de magie, instantanément. La pièce d'argent vient d'apparaître dans ma main gauche. Et vous l'avez compris, dans ma poche, cette fois-ci, les 2 pièces, la pièce chinoise et le bronze. Voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel effet. N'hésitez pas à liker, à commenter s'il vous plaît. Et regardez, allez voir sur ma chaîne, il y a pas mal de vidéos. Commentez, likez, et je vous aime tous. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Allez, ciao les amis, bye bye.